cette tendance majoritaire de taqlid, on l'interprète en étant la législation, l'ahkam, alors que Sharia ne veut pas dire ça. La Sharia, c'est la voie, c'est l'éthique de l'islam et du Coran. Et Ibn Rushd disait d'ailleurs, il disait Sharia est dit, on laisse l'ahkam. Donc, on a le fait qui est l'interprétation donc, du texte. L'interprétation du texte pour l'istinwa de l'ahkam, justement pour sortir donc, les voies du Coran. Et on a l'exégèse qui est l'interprétation, donc, comme je vous l'ai dit, donc, et puis toutes les sciences de la hadith. C'est vrai qu'on. Alors qu'on était un certain temps à parler de voies universelles et principes universels, aujourd'hui on est obligé d'aller chercher dans le Coran des arguments pour montrer que c'est compatible, etc. Mais moi je ne pense pas qu'on va renfermer ou qu'on va. On va justement renforcer l'islam identitaire, bien au contraire. L'approche réformiste, l'islam réformiste est aujourd'hui quelque chose d'essentiel, de nécessaire. C'est pas parce qu'on nous le dit, c'est pas parce que beaucoup nous disent est-ce que vous êtes des occidentalisés, vous êtes en train de suivre ce que vous disent les autres, etc. C'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit, la réforme a toujours existé dans le Coran, et aujourd'hui, devant cette impasse qu'on a, une impasse hermeneutique, on a une impasse de sens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, surtout des jeunes, femmes et hommes, qui sont complètement perdus devant aujourd'hui le nombre de notions qu'ils reçoivent et où on les met devant, il faut choisir cet islam qui est soit le halal, soit le haram, cet islam manichéen. Ou cet islam complètement rigoriste qui ne leur donne aucun choix, aucun autre choix que celui donc de choisir d'y être pour ne pas être libre, ou bien d'y renoncer. D'ailleurs, entre parenthèses, l'athéisme est en train d'être une réponse par rapport à ça. Et donc, cette approche est fondamentale, elle est très importante parce que qu'on le veuille ou pas, le socle identitaire d'un pays comme le Maroc, entre autres, et l'islam, et que réformer la société, réformer l'islam, c'est un peu réformer la société. Réformer notre approche du religieux, c'est réformer cette société. Bien sûr, en tenant compte d'un espace politique démocratique. Il est illusoire de dire qu'on va réformer le religieux alors qu'il n'y a pas les outils pour. Et les outils pour, c'est un espace démocratique et une démocratisation de la société. Plus on a de liberté, plus l'islam se sentira.